à supposer qu'il y ait une majorité absolue législative pour le RN, soit il applique son programme économique et dans ces cas-là, ça met les marchés, enfin ça met une pression énorme sur le refinancement de la France. Absolument. Soit il n'applique pas son programme et dans ces cas-là, Macron aura beau jeu de dire, ben, voyez, une fois au pouvoir, il Mais n'applique pas le. le jour, si le RN, par malheur, à mes yeux, par malheur, a une majorité absolue, ce que dira Macron comptera pour zéro. Il aura été disqualifié. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera obligé de partir. Je veux dire, l'acte qu'il fait, il fait, si vous voulez, un acte à la De Gaulle. En réalité, au moment où De Gaulle appelle les élections en 68, à deux différences près. Un, ce n'est pas faire injure à Emmanuel Macron de dire qu'il n'est pas De Gaulle. Et deux, il n'a pas Georges Pompidou avec lui comme numéro 2. Ça fait quand même deux énormes différences, hein.